De la clarinette, oui, mais de la clarinette klezmer. Ce petit-fils de clarinettiste a découvert sa passion à 5 ans en écoutant Pierre et le Loup de Prokofiev. Premier prix de clarinette au Conservatoire de Paris en 1997, Youm s'est spécialisé dans le klezmer, tradition musicale des Juifs ashkénazes datant du 15e siècle. La clarinette klezmer, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas donc un instrument spécial, c'est vraiment une manière de jouer. On utilise des clarinettes totalement, entre guillemets, classiques. C'est vraiment dans la manière de jouer. Ce qui est intéressant dans le klezmer par rapport à la clarinette classique, c'est la surexpressivité. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que la musique klezmer, klezmer, c'est la contraction de deux mots hébreux, kles et zemer, qui veulent dire instrument et voix. Et donc on doit, avec l'instrument, imiter la voix. Youm était de passage à la Meurice de Trappes vendredi 19 février pour un concert à la croisée des musiques juives, orientales et moyenne-orientales. Ses influences importantes pour lui expliquent en partie son nom de scène, Youm, mot signifiant jour en arabe et en hébreu. Inspiré par l'épisode de la sortie d'Égypte des Juifs, Youm livre sur scène son dernier album, Le silence de l'Exode. C'est donc ce qu'on appelle l'épisode de la sortie d'Égypte, et donc l'exode de tout le peuple juif sorti d'Égypte et errant dans le désert du Sinaï. Mais je tiens à ce qu'il y ait vraiment toutes sortes d'interprétations possibles. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de composer cette pièce, mais après, c'est quand même un travail sur l'exode, le déracinement, l'errance en général. Une errance mise en musique avec des cordes frottées à l'archet et des percussions persanes mélodiques. Un mix d'instrumentation proposé par le contrebassiste Claude Chamichan, le violoncelliste Farid D et le percussionniste Bijan Cheminari. C'est un album, mais c'est aussi une pièce. C'est-à-dire que l'album, c'est mon seul album qui est une copie absolue de ce qu'on fait sur scène. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit une pièce qui dure une heure avec des improvisations à certains moments, donc on la joue jamais deux fois de la même manière, mais la structure est vraiment extrêmement fixe et on a enregistré le disque exactement comme on ferait un concert.